J'ai été voir Un au... Je vais dire au cinéma. Pas du tout. Au théâtre, en fait. Je vais vous lire le petit je sais plus comment on appelle ça, le papier. Donc Un, théâtre de Romette, c'est ce qui la production, je crois, ouais, production, et Joanie Berthe, du coup, metteur en scène. Théâtre de marionnettes et musique live, moins là, plus 14. Voilà. Alors là, il y a un petit texte. Je suis elle, je suis il, je suis yel, je suis une. Je ne suis pas transgenre, encore moins travestie. Je suis un pantin, une chimère, libre et insolente, qui peut être toutes les identités. Donc il y a une petite étoile. Une est un pronom suédois non genré, entré dans le dictionnaire en 2015. Il est notamment utilisé dans les manuels scolaires expérimentant une pédagogie moins discriminante. Ça fait plaisir. Et donc le petit résumé. Un est le nom d'un personnage hybride qui se métamorphose et joue des images masculines et féminines avec sarcasme et insolence au gré de ses envies. À l'heure d'une recherche d'identité ou d'une volonté de tout définir, Un est un personnage hors norme qui ne cherche justement pas à être défini normé. Défini normé. Soit. Il est comme cela, multiple, transformable. Un se raconte par mutation à travers un récit musical écrit sous impulsion avec insolence, ironie, au travers de chansons originales pour la plupart qui puisent librement leur source dans le cabaret berlinois ou dans la scène performative queer actuelle. Ce projet fait écho sans doute à une communauté discriminée et à des combats anciens, malheureusement toujours à réinvestir politiquement et artistiquement. J'ai bien aimé ce spectacle. J'ai pas... Enfin, il y a des trucs quand même qui m'ont fait un peu tiquer, etc. Mais globalement, j'ai passé un bon moment. Et oui, c'était plutôt divertissant, j'ai bien aimé. Comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, ça questionne beaucoup le rapport au corps, enfin le corps, et bah, surtout du coup les organes génitaux, ce qui fait de nous hommes ou femmes, enfin les attributs voilà, qu'on attribue. Aux deux genres différents. Ça joue du coup sur le fait que le personnage est une marionnette, et du coup si tu diriges, enfin si tu ressens de la haine pour ce personnage, bah tu ressens de la haine pour un bout de tissu, pour enfin voilà, pour de la mousse et du coup ça j'ai trouvé assez marrant comme angle d'approche. Après, c'est vrai que il y avait quand même des passages que j'ai trouvé un peu maladroits. Par exemple, à un moment donné, le personnage du coup dit que
n'existe que dans ce cadre du théâtre et que si tu le laisses exister dans ta tête. Et que du coup si Yel sortait dans la rue, si elle sortait du cadre de ce théâtre, qu'en gros c'est mort, que c'est pas possible, parce que elle se ferait insulter, elle se ferait frapper, etc. Je trouve, en fait, la manière dont c'était dit, je trouvais ça un peu maladroit parce que, en fait, il y a des gens queer qui existent et qui sortent dans la rue, etc. Alors effectivement, je pense que c'est bien de mettre en avant le fait qu'il y a des violences qui arrivent et que voilà, il y a des agressions, etc. Et il y a un passage qui fait vraiment l'accent dessus. Enfin, je sais pas, du coup, il y avait un peu un côté de ça existe pas. Enfin, voilà, les personnes hors normes ne peuvent pas exister en dehors de ce cadre-là, alors que si. Après, je sais que c'est pas le propos du metteur en scène. Il en a reparlé après le spectacle. Je voulais que ce soit une Mariette qui puisse dire « Je suis vraiment qu'une chimère et je ne peux exister que parce que je suis dans l'enceinte d'un théâtre, d'un lieu où les gens ont pris un billet pour venir me voir, pour venir nous voir, nous entendre, avec cette question, est-ce que si j'étais dans la rue, si j'étais à l'extérieur, les gens m'accepteraient tel que je suis, tel que... Voilà. Il y a encore une fois, pour moi, une forme d'ironie. Je ne voudrais pas exclure des personnes en disant ça, notamment les personnes trans qui pourraient se reconnaître dans ce personnage en disant je n'existe pas, en fait. Je ne peux pas exister dans la société. Pour moi, c'est vraiment lié à ce personnage marionnettique, cette chimère, et effectivement une forme encore d'ironie et d'insolence qui est de dire « je ne peux pas exister ». Et je fais vraiment confiance aux spectatrices et aux spectateurs aussi pour, avoir envie de se dresser, comme tu l'as fait dans son fauteuil, pour dire pourquoi en fait. Pourquoi ce personnage ne pourrait pas exister dans la vie de tous les jours. Bien sûr, en fait, que pour moi... des personnes trans, par exemple, ou des personnes dites hors normes, doivent pouvoir être visibles dans la société, exister comme tout un chacun, affirmer qui elles sont, qui ils sont, évidemment. Donc pour moi, c'est encore une forme d'insolence, une dernière petite insolence de dire je ne peux pas exister, je vais rentrer dans ma petite truc de housse là-bas derrière, ce qui est vrai, parce que là, on va ranger après. Il y a des techniciens qui attendent, il faut qu'on range. Mais en tout cas, oui, effectivement, voilà, c'est une dernière petite insolence qui, j'espère, est bien comprise, qui, des fois, peut faire un peu, quand on le prend en premier, comme ça, un premier degré, un peu direct, de se dire « Oh, merde, on nous a dit plein de trucs, tout à coup, on nous dit que voilà. » Mais encore une petite impertinence. Et donc, lui, il est vraiment en mode « C'est un pantin, c'est une marionnette. » Et les cons homophobes, transphobes, tout ce que tu veux, phobes, si vraiment ils détestent une marionnette, ils détestent un objet, quoi. Et du coup, c'est con, et du coup, on se moque d'eux dans ce sens-là. Mais je trouve que ça justifie pas toute la manière dont c'est tourné. Bref. Oui, je fais un peu ma gauchiste chiante qui analyse tout. Bref, enfin voilà, c'est des petits points comme ça que j'ai trouvé maladroit parfois. En fait, je trouve que derrière cette idée de faire un pantin aux gens homophobes, transphobes, je trouve qu'il y a un peu un côté où ça délaisse les personnes concernées par le sujet. Et ça renvoie un peu à la violence que peuvent subir ces personnes-là, surtout dans la rue, dans l'espace public. Et que le fait d'exister, c'est... Enfin, d'exister en étant hors norme,
c'est compliqué et on se prend de la violence, etc. Et c'est ça que je trouve un peu dommage en fait, parce que en même temps c'est peut-être pas, c'était sûrement le but de metteur en scène de viser un public qui est pas trop renseigné sur ces questions-là et du coup de l'interpeller et de du coup de le faire avancer sur ces questions-là. Mais pour un spectacle qui se veut enfin voilà, en fait il y a vraiment cette idée de pas être trop violent envers le public et plutôt de le faire s'attacher au personnage de Eun qui enfin bah du coup qui est très affirmé et très qui va bien quoi. Il y a cette volonté de positivité, de montrer un personnage qui s'en fout de la vie des gens, qui fait sa vie et basta. Le truc c'est que du coup la violence, je trouve, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, je me la suis un peu prise en tant que personne concernée, parce que du coup on répète plusieurs fois que ce personnage ne pourrait pas exister dans la vraie vie. Et je sais que c'est pas dit de manière en mode les personnes queer n'existent pas dans la vraie vie, et que c'est plus en mode bah là vous m'acceptez sur scène parce que on est au théâtre, parce que je suis une marionnette, etc. Mais en vrai vous m'accepteriez pas forcément dans la vraie vie. Mais la façon dont c'est tourné, je sais pas, genre il y a une réponse qui est faite à une vidéo homophobe très connue. Bon, j'ai pas envie de spoiler trop le spectacle non plus, mais en gros, la réponse qui est faite à cette vidéo, c'est de citer les chiffres des violences faites aux personnes LGBTI. Et ouais, moi je sais pas, je me suis pris un peu ça dans la gueule. Après, heureusement, c'est assez court, c'est un passage assez court, ça passe à autre chose après, donc ça a été. Mais sur le moment, c'est un peu. Wow! Dur quoi! Alors que. Bah, je sais pas, c'est pas censé forcément être dur pour les personnes concernées. I don't know. Ce sont des pistes, des réflexions que je balance comme ça. C'est pas forcément très très construit, très pertinent. En tout cas, j'ai quand même passé un bon moment parce que c'est de, enfin voilà, c'est sous forme de cabaret en fait. Et d'ailleurs, j'étais assise à une petite table et tout. Bon, il y avait pas de nourriture, donc c'est un peu triste, ni même de boisson. J'aurais bien aimé une petite grenadine devant là. Et en fait, globalement, ce qui m'a gênée, c'est un peu ce qui peut me gêner aussi chez les certaines drag queens que j'ai suivies. C'est le côté très sexualisé, très comment on dit, extraverti, on va dire ça. Voilà, très, très pimpant et on en fait des caisses et c'est blague sur blague sexuelle. Alors, en soi, enfin, genre, ça me dérange pas, enfin, ça m'a pas dérangé les blagues sexuelles et la. Enfin. Genre, ok, pourquoi pas qu'il y ait autant de répétitions, de références au sexe, etc. Enfin, et en soi, c'était drôle. Vraiment, j'ai ri. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé un bon moment. C'est que j'avais l'impression d'être à un drag show. Et bah, c'est trop bien. Donc voilà, c'était cool dans ce sens-là. Mais du coup, j'avais l'impression un peu d'être face à une drag queen qui serait pas... qui serait un mec cis, quoi.
et qui serait pas trop déconstruit, qui serait un peu dans les clichés du coup de la drag queen, très dans la sexualisation, très dans les clichés aussi de la féminité, même si enfin du coup il y a beaucoup un jeu sur les corps et la marionnette change régulièrement de corps, d'apparence. Mais par exemple, au début, elle dit, en gros, elle dit, c'est normal si je transpire, c'est normal que j'ai des poils, etc. Et il y a un truc en mode, j'ai des kilos en trop, je m'en fous. Et j'étais en mode, des kilos en trop, genre des poignées d'amour, je crois, qu'elle a dit. Et genre, la marionnette, c'est littéralement un sablier comme ça. Et j'étais en mode, ils sont où les poignées d'amour là, en fait? Non. Et c'est typiquement genre ce que tu retrouves dans les drag queens un peu la RuPaul Drag Race, tu vois, où il faut bien le sablier et... Enfin non, c'est pas toujours le cas dans RuPaul Drag Race, mais genre, tu vois, le cliché de la drag queen, c'est la féminité poussée à l'extrême, quoi. Et vraiment, les formes, la taille de guêpe, un berme et tout. Et bah pareil, en fait, je trouve ça un peu dommage aussi, parce que je me dis, si la marionnette avait eu... un corps, tu vois, ça prône le hors norme, donc ok, hors norme par rapport au genre, etc. Ok, tu mets des seins à ta marionnette, ok, tu mets une bite à ta marionnette, si tu veux, mais un corps hors norme, c'est pas que ça non plus. Après, bon. Forcément, c'est le sujet de la pièce, le genre, etc. Ça fait des blagues sur les beats. C'est drôle, ok. Mais je sais pas, peut-être que ça aurait pu être cool aussi d'avoir un personnage avec un corps genre avec des morphologies possibles sans corset. S'il vous plaît, en fait. Enfin bref, voilà, c'est un détail. Mais ça m'a quand même un peu... ça m'a fait tiquer, quoi. Et c'est un peu ce qui me fait tiquer aussi chez beaucoup de drag queens. Et c'est ça qui m'avait éloignée un peu de ce mouvement-là. Parce que de ce que je connaissais des drag queens, c'était du coup les plus connues et celles qui étaient dans les normes de la féminité, en mode on met des corsets et on s'épile, enfin voilà, et surtout aussi très très sexualisé, et ça c'est quelque chose aussi qui me met plutôt mal à l'aise en général, même si clairement les blagues de cul ça me va, moi ça me fait rire, donc j'ai bien ri quand même dans ce spectacle. Et voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a quand même des petits points critiquables, mais globalement, c'était vachement drôle. Et j'avais les refs aussi, parce que j'avais un pote à côté de moi qui est pas français d'origine, et qui du coup n'avait pas toutes les refs, et genre, la salle était morte de rire. Et lui, à côté, il était en mode... Ça doit être drôle, mais pourquoi c'est drôle? Bref, voilà. Ah aussi, j'ai pas parlé des musiques. Trop stylé. C'était trop bien. En fait, il y a deux musiciens sur scène. Déjà, ils étaient trop bien habillés. Genre... trop bégé. J'étais en mode... Wow. En tout cas, il y a du coup un violoncelliste. Je sais pas s'il jouait d'un autre instrument. En tout cas, il y avait des pédales pour modifier le son et tout. Et un autre musicien, du coup, qui avait plusieurs instruments autour de lui. Une batterie.
un instrument qui n'est pas méga connu. Enfin, bref. La musique était vraiment trop stylée. En fait, ça passait d'un style à un autre. J'ai bien bougé de la tête. C'était vraiment cool. Vraiment, c'est parti sur du rock. T'as le violoncelliste. Il te faisait un truc comme ça. Ça faisait un son de guitare. J'étais en mode... C'est génial. Je veux faire du violoncelle, putain. Bref, voilà, c'était cool. Et du coup, il y avait des chansons. Chansons qui étaient pour la plupart vachement drôles aussi. Il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, mais... Belle dans le sein, l'appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des cheveux, c'est facile, on peut se cacher derrière eux. J'aime ce qui est difficile, je veux être aimé sans cheveux. Je veux être aimé pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes se donnent dans mon charmant occipital. Perle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des chairs, c'est trop facile, c'est vulgaire et c'est malhonnête. J'aime ce qui est difficile, je veux qu'on aime mon squelette. Je veux être aimé pour le pire, je veux être aimé pour mes os. Je veux que les hommes délirent comme des chiens sentimentaux. Perle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Chanson qui dit genre fais-moi un pessilingus et genre t'as un squelette qui chante fais-moi un pessilingus. Est-ce que c'est pas incroyable? Genre juste pour ça faut aller voir ce spectacle en fait. Voilà, c'était mon retour déconstruit et pas très clair sur une que j'ai été voir aujourd'hui. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être faire une version karaoké. Pas mal la version karaoké. Ça serait drôle. Oh oui, lèche-moi la prostate. Et le soufage. C'est génial. Un DVD karaoké, ce serait très drôle. Avec les chœurs derrière. Wap du wap.